fais de la musique, souvent d'après des émotions, en fait. Tu retranscris des émotions. Et là, j'ai pris le truc inverse. Je vais te fournir des émotions et tu vas me dire à quel titre idéal va pour cette émotion ou pour cet état d'esprit. De quel titre, de qui, de moi? De ta playlist ou de ce que tu connais. Ou ça peut être des titres de toi aussi, si tu veux. Okay. Est-ce que tu veux qu'il répète le concept? Non, c'est assez clair. Conspi, tu as compris? Non, mais vous allez voir. Ça paraît clair. Ouais. Par exemple, quand... Exemple, quand c'est l'été, qu'il fait beau et que t'es content. C'est une émotion, ça? Un son idéal. Content, ouais. Un son idéal pour quand t'es content, que c'est l'été, qu'il fait beau. Wes Allan. Wes Allan. Ouais, grave. Vous connaissez pas Wes Allan? Allez, on enchaîne. Là, comme ça. Même HK, il est dépité derrière la caméra. Qu'est-ce que je peux te dire? Je vais te dire un son de moi, parce que comme ça, je... Ah oui. Tu vois, éphémère. Ok. Qui est sur Orange. Ouais. Et on maîtrise la tradition. T'as bien appris. Un son pour quand t'es en rupture amoureuse. Je pense un son de Magic Jordan, le Gave You Love Away, un truc comme ça. Et toi, Ismaël? Mais je suis jamais en rupture amoureuse, c'est vrai. Bonne réponse. Un son quand tu viens de rencontrer une demoiselle totalement charmante, tu vois, et que t'es en train de tomber amoureux. Mario, Let Me Love You. Ah ok. Conspi, ta réponse? Oula. Le son qui t'ambiance quand t'es en mode love, quoi. Curtis Mayfield. Move on up. Ouh, ouais. Ah bien, yes. Bien, un de mes sons préférés, ça. Tiens. Ouais, un leçon pour quand t'es vénère. Là, c'est récent, c'est... L'ensemble, l'émotion était récente. C'est Trouble avec Drake. Je m'en rappelle Bring It Back, je crois que c'est ça. Très très chaud, le son. Le son pour... Il donne envie de taper des gens et tout. Ah bah justement, le son pour quand tu manques de motivation, un son qui te met un peu la pression. Un petit bonhomme en mousse de Patrick Sébastien. Ça doit être un son de Migos, peut-être. Des sons de Migos, certainement. Ou ouais, Migos, je pense. Migos ou Travis Scott. Que de l'américain. Mick Mill, moi. Mick Mill, il met la pression. Par contre, si tu mets la main, du mal avec lui. Ismaël, on n'entend pas. J'ai du mal, ouais, j'ai du mal. Okay. Au début, je kiffais, mais là, j'ai du mal. Okay. Le son idéal pour être nostalgique et te rappeler que les années 2000, c'était quand même pas mal. Question pointue. Punaise. Je crois que... Bah, après, c'est avant 2000, mais je crois qu'il y a un son de Shadé que je kiffais de ouf. Non. Je me rappelle plus c'est quoi. Même Pharrell Williams, il a fait un remix. Genre, il avait fait une vidéo et tout. C'est By Your Side. Ok. Et pour finir, parce qu'il n'y a même plus de tapis, c'est le bordel. Mais... Le son que tu peux écouter en fait dans n'importe quelle émotion, le son que tu kiffes dans n'importe quel état. Moi je sais, moi. Ton son préféré, quoi. Moi je sais le son que tu peux écouter dans n'importe quel état. Vas-y, dis-moi. Les miens. Ouais, déjà, ouais. Shuriken, non? Ah ouais, bien vu. Ouais. Ouais. Shuriken, les miens, Shuriken, la lettre. C'est ta première. Tout l'album de Shuriken, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est vrai. T'as dit que c'était ta première claque. C'est ma première claque. Exactement. Je suis assez d'accord. Les miens, Shuriken, on est tous d'accord. Et il fête ses 10 ans en plus. C'est magnifique. C'est ça, Ismaël. Non, c'est 20 ans. En fait, c'est 20 ans. 98. 20 ans, ouais. 98. 20 ans. C'est toujours dans ta playlist, Shuriken. Shuriken, les miens, oui. Ouais. Mais évidemment. Attends, en termes de motivation, quand on veut se motiver, tu te mets les miens ou Samouraï. Samouraï, c'est un truc de ouf. T'es obligé de t'ambiancer. Ouais, t'es obligé de t'ambiancer. Non, Shuriken, peut-être.